d'interroger l'itinéraire du président de la République et son bilan, il est important de savoir déjà d'où il sort en 1982. Le président Paul Biya est un élément de l'écurie de Louis Paul Ojoula. Il est la fabrication typique de M. Amadou Ahidjo. Le président Biya n'a jamais fait un concours. Le président Paul Biya n'a jamais été recruté quelque part. Nous sommes en 1960. Je dis nous sommes en 1960. Il n'a jamais été recruté. Il appartient à quel corps? Le président Paul Biya appartient à quel corps de métier, monsieur honorable Mott? Il appartient à quel corps de métier? Il est enseignant? Oui. Il est avocat? Oui. Il est médecin, c'est-à-dire que le président de la République, c'est la fabrication de la nomination et la fabrication des élections que René. Donc il arrive dans un contexte, il a été fabriqué, je dis il a été fabriqué, le président Biya a été fabriqué de 62 à 82, de 82 à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous appelez donc, fabrication? Cette fabrication... Monsieur Amadou Ahidjo avait des opportunités. Il avait des opportunités. Il y avait Moussa Yaya, il y avait Aïssi Mvoto, il y avait des éléments sur lesquels, voilà, il avait des éléments sur lesquels il pouvait bien s'appuyer, mais il a posé son choix sur le président Paul Biya. Fabriqué. J'ai dit bien fabriqué. Alors, si on a donc un fabriqué, ça veut dire quelqu'un qui est issu des réseaux néocoloniaux, les réseaux qui l'ont positionné, forcément, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils servent le peuple, parce que le peuple ne l'a pas mis à ce niveau, c'est plutôt les réseaux néocoloniaux. Il a donc des comptes à rendre aux réseaux néocoloniaux. Cela donc va expliquer ces différents mandats à la tête de l'État. Et vous allez vous rendre compte que le président Biya a puisé dans les réflexes autoritaires, je ne vais pas parler de post-autoritaires, des réflexes autoritaires. Et il a toujours été animé par ces réflexes autoritaires. À chaque fois qu'il y a eu ouverture, c'était généralement des concessions lorsqu'il se sent acculé. Parce que le président de la République est assez rusé. Lorsqu'il se rend compte que la situation est difficile, il engage rapidement ce que le professeur Luc Sunjun appelle les transactions collusives et les transactions collusives pour atteindre ses fins. Il est fin réaliste. Seulement dans son réalisme qui vise l'assimilation des opposants. Il a mangé ni John Fundi. Il a désubstantialisé Bello Bouba. Il a vidé M. Jean-Jacques Ekindi. Il a pressé même les acteurs de la société civile tels que le professeur Mathias Owonanguini comme des oranges. Donc le président de la République, à chaque fois qu'il est coincé, il rentre dans ses transactions. Et je suis convaincu que le MRC a déjà fait l'objet de cette courtisanerie à l'effet d'assimilation. Il y a eu d'ailleurs des éléments de ce parti qui ont cédé, qui ont craqué, qui n'ont pas tenu face à cette stratégie, cette petite ruse-là qui vise l'assimilation de l'adversité. Et le président de la République a donc toujours donner des gages d'ouverture à chaque fois qu'il s'est retrouvé dans des situations chaotiques. Il faut également dire une chose, c'est que il se nourrit du chaos. Peut-être qu'il n'est pas l'auteur des chaos ou le responsable des chaos, mais le président de la République se nourrit des chaos. Les chaos renforcent sa stature de l'homme essentiel, de l'homme providentiel, de l'homme du moindre mal. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je prends le cas de 1984, il sort comme le vainqueur. Il a maté une rébellion, il est venu à bout d'une rébellion. En 1990, il sort de la situation, il est présenté comme l'homme qu'il faut aux Camerounais. Avec l'affaire de Bakassi, il gagne la procédure. Il est également, il sort de là toujours réaffirmé. La guerre contre Boko Haram, il sort de là étant gradé. Maintenant, le cas de la crise anglophone, c'est là où ça coince.
Donc, à un moment donné, ces différents chaos ont fait en sorte qu'ils bénéficient de ce que j'ai appelé tout à l'heure, que j'ai qualifié tout à l'heure, des circonstances atténuantes, c'est-à-dire l'illusion du leader essentiel. C'est-à-dire, s'il part, qui va encore gérer ce genre de situation? Et entre-temps, pour chuter, il a fait des efforts de prospérer dans le parricide et le filicide. C'est-à-dire qu'il est parricidaire et filicidaire. Il tue les pères. C'est-à-dire que ceux qui l'ont positionné, comme Amadou Ahidjo, il est neutraliste, il les tue. Il tue également les fils, c'est-à-dire les défunts. Ça fait donc qu'il reste seul avant lui. Il n'y a rien. Après lui, il n'y a rien. Alors, il faut préciser que le terme tuer ici n'est pas une élimination physique. Non, c'est parricide politique et filicide politique. Donc, il ne faut pas qu'il y ait amalgame. Donc, il a créé ce vide pour qu'à un moment donné, que les Camerounais se retrouvent sans alternative et qu'il reste toujours la seule alternative. Malheureusement, la nature ne connaît pas ses... Waouh. On aurait sacré mon nom pour cette peinture qui, ma foi, ne devrait pas nous éloigner de l'objectif. Il n'y a pas longtemps, M. Biya, son cercle le plus rapproché, ont sorti un film de 50 quelque chose de minutes pour, en ma façon, lancer la campagne de l'homme. Et ceux qui ont été choisis pour assister à la projection de ce film du côté du palais des congrès se sentaient beaucoup plus privilégiés. Jusqu'à ce qu'on leur pose la question, s'il s'agit d'entrer dans la mouvance des campagnes présidentielles de 2025, combien sont-ils parmi ceux qui ont vécu la projection de ce film-là en direct, qui seront capables, comme ça, de garantir le succès à M. Biya en 2025? Cette question-là a rapidement rattrapé ceux qui se sentaient déjà privilégiés pour avoir reçu une invitation pour participer à le visionnage de cette vidéo-là. Et Dr. Aristide Monod nous ramène dans le prisme par lequel il faut comprendre l'homme Biya, de par sa formation, un éternel Tchinda, le parricide et le félicide. C'est-à-dire, il neutralise ceux qui lui ont donné de l'espace, il casse les ponts, puis ceux qui sont en train d'émerger sur son leadership et les obscurantit, il leur pose des difficultés sur le chemin, tels que les sanctions extrajudiciaires, les nominations et bien d'autres choses. C'est donc un homme qui a été formé pour s'éterniser parce qu'il s'appuie que sur les ressources humaines. Il utilise les ressources humaines et cela fait en sorte que ce n'est que normal que certains ne digèrent pas qu'on puisse penser à l'attenance. Parce que le mode d'éducation du citoyen camerounais ne fait pas les gens à certains références. Sinon, si on doit faire très sélectif, il n'est pas question de dérouler le tapis vert à qui que ce soit. Tout est fait de façon sélective pour ne pas laisser les yeux rivés quelque part qui peut avoir plus d'attention que M. Biya lui-même. La preuve en est qu'aujourd'hui, on parle très mal, très peu, et souvent même jamais, démentir ceux qui luttaient pour l'indépendance totale du Cameroun, de l'union des populations du Cameroun. On en parle très peu. Le parti aujourd'hui est en quelque sorte l'image de cette caricature gouvernementale, cette volonté des pouvoirs publics à jeter le sombre sur ce qui pouvait être des panthéons de l'histoire, c'est-à-dire être des feux de projecteurs pour rappeler aux Camerounais que le père fondateur fut des personnes très courageuses. Ce qui caractérise beaucoup de Camerounais aujourd'hui, c'est la fatigue, c'est manque d'énergie, c'est manque d'espoir. Et ces caractéristiques montrent des personnes qui n'ont pas été formées à être courageuses. Des personnes qui préfèrent gérer leur galère, leur souffrance, sans se dire
Pourquoi pas aller un peu vers la peur et voir ce qui se cache là? Non, très peu font ça. Qui est un produit essentiellement du système d'éducation qu'on a reçu. Donc, dans les formations politiques, toutes les fronts qui ont existé jusqu'à là ont été neutralisés par cette stratégie absorbante d'assimilation. Mais le SDF aujourd'hui en paye le plus lourd tribut. Jean-Jacques Lépine, s'il n'est pas passé par mes chemins pour retourner à la case de départ. Mais Bello Bouba, aujourd'hui dans le gouvernement, Issa Tiroma, tous ne font pas grand progrès sinon que de maintenir leur fauteuil et donc naturellement ont été forcés à abandonner leur rêve initial de gouverner le pays. Un homme comme ça mérite d'être surveillé de près, de ne pas être suivi à l'aveuglette. Voilà pourquoi la MSC, à un moment donné, s'est interdit par le RDP. Parce qu'une chose en est sûre, ces pistes-là sont tous coupées. Il est regrettable qu'aujourd'hui, en 2024, certains font l'entrée en politique et font comme s'ils ne savent pas que la meilleure façon de se faire prendre par le gouvernement via, c'est d'éviter les compromis. Ayant le long de jours comme de nuit, dès que vous tentez la compromission avec elle, elle fera tout au moment venu pour vous humilier. Elle en a fait avec tout le monde, donc vous ne serez pas l'exception. Ce message va encore à ceux qui continuent à se narguer dans le rêve de transition en comptant sur M. Biya de leur faire faveur. Moi, je dis, c'est mal connaître l'homme et il faut revoir cette ligne de démarcation. Sinon, pour ça, Maurice Kamto, en tant que juriste, constitutionnaliste et publiciste, fait tout pour éduquer et sensibiliser le peuple camerounais. Et j'en suis un des jeunes politiciens qui profitent du mentorship du professeur Maurice Kamto. Ce ne reste que par ces différentes interventions. Donc, pour définir l'ambia, il faut le définir dans le cadre de sa formation, le cadre de cette opération de leadership, pour comprendre pourquoi le peuple en est là où elle est aujourd'hui. À très bientôt.